Bienvenue à la 33e édition du prix Robert Valle, la cérémonie de remise des prix donc, pour des œuvres qui expliquent la technologie en langue française et qui aident à comprendre cette technologie. Ceci dans 5 catégories, grand public, jeunesse, télévision, enseignement supérieur et journalisme. Et donc cette année, nous avons organisé donc, des interventions enregistrées donc, par le jury et nos partenaires pour proclamer les résultats. Donc à la fois des lauréats du prix Robert Valle, mais aussi des mentions et des coups de cœur, donc qui seront présentés naturellement donc, par les membres du jury, par les partenaires divers et variés, et ceci dans 2 lieux privilégiés, au sein de la bibliothèque Sainte-Corneille à Compiègne, donc par exemple ici nous nous trouvons au cloître de cette bibliothèque, et également au Muséum des Arts et Métiers à Paris. Cette cérémonie et tous les détails sur le prix Robert Valle, vous pouvez les retrouver à l'adresse prixrobertvalle.utc.fr. Et je vous souhaite donc une belle découverte des lauréats mention et coup de cœur pour cette 33e édition du prix Robert Valle. Je souhaite la bienvenue à cette 33e cérémonie de remise du prix Robert Valle. C'est une édition un peu originale, compte tenu des circonstances et des règles sanitaires. J'ai connu le prix Robert Valle au restaurant Drouan à Paris, parce qu'à l'origine, c'était le clin d'œil au prix Goncourt. J'ai reçu pendant un certain nombre d'années le prix Robert Valle pour cette remise officielle au salon de Beaufranc de la présidence du Sénat. Puis d'autres lieux ont été utilisés par les déléguées générales successives, Liliane Vézier puis Elisabeth Brunier. C'est donc déjà un long historique. Et cette année, tout est par vidéo. Mais c'est une manière peut-être d'assurer une audience encore plus large à cette belle manifestation qui est dans les gènes de l'Université de technologie de Compiègne. C'est une manifestation dédiée à la francophonie et cette année, il y a un facteur nouveau, c'est l'arrivée du nouveau directeur ou président exécutif de l'université, Christophe Guy, qui lui-même est bien sûr un grand francophone, puisqu'il est franco-québécois et puisqu'il a dirigé pendant longtemps l'École polytechnique de Montréal. Cher Christophe Guy, en réalité, en passant de la Nouvelle-France à la Vieille-France, vous n'êtes pas dépaysé. Robert Valle, c'est un village de l'Oise, c'est une ville du Québec, c'est un clin d'œil. Participent à ce prix les nations francophones d'Afrique, d'Amérique, d'Europe. Quant à la ville de Compiègne, elle est très fière de la poursuite de cette manifestation. C'est une manifestation qui est gérée par les universitaires. Le jury est extrêmement brillant. C'est une manifestation qui s'est adapté en 33 ans à l'évolution des technologies et des médias, puisqu'il y a une rubrique jeunesse, il y a une rubrique production audiovisuelle, il y a l'édition classique qui demeure, et le prix Robert Valle pour la ville de Compiègne, c'est un élément important de son image de marque. Donc c'est pour cela que nous continuons à être impliqués dans cette cérémonie et que nous y sommes toujours présents. Je crois que je n'ai à peu près jamais manqué un prix Robert Valle. Et la ville de Compiègne, vous savez, elle encourage comme elle le peut des initiatives comme celle-là, mais chaque année elle organise un prix d'orthographe pour différents niveaux scolaires, et qui est aussi d'une certaine façon un prix de promotion sociale. Et la ville de Compiègne, elle s'efforce de mener des actions avec
la librairie qui est installée chez nous et elle a par exemple créé un espace librairie au musée mémorial de l'internement et de la déportation. Ce ne sont que quelques indications un peu parcellaires, mais qui traduisent notre engagement pour à la fois la mise en valeur de la langue française, pour son adaptation permanente, pour son ouverture, car savoir diffuser en français est extrêmement important, même si, bien sûr, à commencer par l'UTC, on enseigne, on apprend, on diffuse également en anglais. Mais il faut être sans complexe, chacun doit porter les valeurs de sa culture. Bonne et belle cérémonie pour ce 33e prix Robert Val. Félicitations à tous les lauréats, à tous les récipiendaires. À chaque fois, c'est un très beau moment de les entendre synthétiser leur démarche. Et puis souhaitons l'an prochain être tous ensemble au Théâtre Impérial de Compiègne. Mais peut-être ajouterez-vous au physique du virtuel, ce qui permet toujours de démultiplier les audiences sur tous les supports. Bonne soirée à toutes et à tous. Chers participants et chères participantes de cette nouvelle édition du prix Robert Val, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. À l'occasion de la semaine de la francophonie, qui a débuté samedi dernier et qui termine ce dimanche, le prix Robert Val est un concours international qui récompense en fait des œuvres consacrées à l'explication en français de la science et de la technologie dans diverses catégories. Enseignement supérieur, journalisme scientifique et technique, jeunesse, télévision et grand public. Ces œuvres sont conçues et réalisées en langue française, parce que penser et communiquer en français, c'est en faire un élément de notre culture, de notre patrimoine, et une façon d'expliquer à nos concitoyens, à travers les présentations de nos ingénieurs et de nos scientifiques, la science et la technologie, leurs apports, mais aussi leurs problèmes, et ce, dans la langue de nos concitoyens. Le prix Robert Val a été créé en 1987 par l'Université de technologie de Compiègne. L'UTC forme des ingénieurs et des chercheurs dans tous les domaines du génie, tout en s'assurant qu'ils aient une formation en sciences sociales et humaines pour justement être en mesure de prévoir les impacts des technologies et de la science sur la société, mais aussi de pouvoir expliquer à leurs concitoyens, quand ils seront des ingénieurs, des scientifiques au travail, quels sont effectivement les impacts et les avantages de la technologie pour la société. En tant que nouveau directeur de l'Université de technologie de Compiègne, je suis particulièrement heureux de présider à l'attribution des prix Robert Val 2021, d'autant plus que j'ai pratiqué cette francophonie universitaire sans frontières lorsque j'étais le directeur général de l'École polytechnique de Montréal au Québec. Merci et bonne cérémonie. Bonjour, dans la catégorie jeunesse, nous avons retenu, après de longues discussions, 4 finalistes. Première œuvre, ce sera Le plus grand pont du monde par Michel Lébreu aux éditions Les 400 coups, Montréal, Canada. Ensuite, nous avons regroupé 2 livres, La science est dans l'œuf et La science est dans le citron aux éditions Nathan Paris, écrits par les 2 mêmes auteurs, Cécile Jugla et Jacques Guichard, illustré par Laurent Simon. Comme 3e œuvre, L'exploration lunaire de Julie Lardon et Sylvie Serpry aux éditions La Poule qui pond, Journal Albert, à Clermont-Ferrand. Et enfin, comme dernier finaliste, un livre sur Joseph Armand Bombardier, écrit par José Ouimet
à la maison Isatis, Montréal, Canada. Alors, qui sera le lauréat cette année du prix Jeunesse ? Créée à l'aube du XXIe siècle, l'Académie des technologies a pour devise « Pour un progrès raisonné, choisi et partagé ». Cette belle devise appelle un développement technologique au service de l'humanité, de l'environnement et d'une croissance durable. Grâce à l'expertise plurielle de ses membres, l'Académie des technologies émet chaque année des propositions et des recommandations auprès des pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société. Au travers d'actions particulières de communication, l'Académie souhaite également contribuer à l'amélioration de l'attractivité des carrières technologiques vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des jeunes. C'est donc tout naturellement dans ce contexte que depuis plusieurs années maintenant, la Fondation de l'Académie des technologies est heureuse de décerner un coup de cœur dans la catégorie jeunesse du prix Robert Val. Et cette année, le jury d'académiciennes et d'académiciens a décidé de récompenser le livre de Michel Lébreux, « Ce sera le plus grand pont du monde », qui illustre à merveille les conditions dans lesquelles un magnifique défi technologique a pu être relevé au début du XXe siècle afin de franchir le Saint-Laurent. Alors bonjour à tous. En premier lieu, je tiens à mentionner que je suis très heureux d'avoir remporté le prix coup de cœur du prix Robert Val pour la catégorie jeunesse. Je veux tout d'abord profiter de l'occasion pour remercier les membres du jury de l'Académie des technologies pour avoir sélectionné mon livre « Ce sera le plus grand pont du monde ». Quand je regarde les noms des auteurs en lice et la qualité de leurs œuvres, je me considère privilégié d'avoir été sélectionné et qu'on m'ait accordé un prix coup de cœur. Je veux remercier aussi ma maison d'édition, les 400 coups de Montréal, pour leur excellent travail et aussi pour avoir soumis mon livre pour le prix Robert Val. Merci également à mon épouse Nicole, qui me seconde dans mes travaux depuis 52 ans. Comme directeur d'école retraité, j'ai toujours voulu, par mon travail, donner aux jeunes le goût de l'histoire et les intéresser à la technologie. Le pont Québec a été pour moi un sujet de prédilection, puisqu'il est toujours le pont quand il est vert ou en porte-à-faux le plus long au monde. De plus, il possède une histoire fascinante, particulièrement en raison des deux catastrophes majeures qui sont survenues pendant sa construction entre 1900 et 1917. Depuis environ 50 ans que je m'intéresse à son histoire, j'ai publié quelques volumes sur le sujet, en plus de donner plus de 2000 conférences. En terminant, je réitère mes remerciements à l'Université de technologie de Compiègne et à leurs différents partenaires pour l'organisation du prix Robert Val qui favorise le développement et le rayonnement d'une culture technologique de langue française, ma langue maternelle dont je suis fier. Je vous remercie. Très heureux d'être encore présent à vos côtés pour cette 33e édition du prix Robert Val pour représenter le conseil départemental de l'Oise, sa présidente Nadège Lefebvre, également Nicole Cordier qui représente le conseil départemental au conseil d'administration de l'UTC. Je voudrais bien sûr saluer votre nouveau directeur Christophe Guy qui est également le président de ce prix Robert Val, lui souhaiter la bienvenue à Compiègne. Et bien sûr, beaucoup de réussite pour la conduite de l'UTC. Je voudrais également vous dire que je suis très heureux de vous accueillir dans ce lieu symbolique. Vous avez reconnu que nous sommes ici à la bibliothèque Saint-Corneille, qui est l'un des lieux de culture de Compiègne qui a le mieux résisté à la crise sanitaire, puisque il est encore accessible au public. Et puis, je voudrais
durant cette crise particulièrement difficile, saluer les étudiants de l'UTC qui ont vécu des moments particulièrement pénibles. Les conditions de déroulement de leurs études ne sont pas simples. Et bien sûr, nous sommes très solidaires avec eux. Voici pour moi le moment de m'acquitter de ma mission, qui est de vous annoncer les lauréats du prix Jeunesse pour la 33e édition du prix Robertval. Pour cela, j'ai apporté avec moi deux objets extrêmement symboliques. D'un côté, un œuf, d'un autre côté, un citron. La science est dans l'œuf, la science est dans le citron. Et c'est ainsi que j'ai le plaisir de vous annoncer que Cécile Jugla, Jacques Guichard et Laurent Simon sont les lauréats de ce prix Jeunesse. Cécile Jugla et Laurent Simon sont des spécialistes de la littérature pour enfants. Jacques Guichard est un scientifique. C'est à lui qu'on doit l'origine de la Cité des sciences. Vraiment, je me félicite de cette association entre des professionnels du monde de l'enfance et un professionnel du monde scientifique. Et je suis absolument certain que les ouvrages qui sont primés ont vocation à remporter un grand succès. Et puisqu'on parle d'eux, vous avez tous certainement en mémoire la fable de La Fontaine, la poule aux œufs d'or. Fable qui se termine de manière tragique, puisque le propriétaire de la poule la tue. Moi, je voudrais faire une comparaison avec le prix Robertval pour vous dire que chaque année, ce prix permet de mettre en lumière de véritables pépites. Et chaque année, eh bien, il produit des œufs d'or. Donc, je souhaite au prix Robertval longue vie. Bonjour, nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir ce prix parce que finalement, l'esprit de la vulgarisation scientifique, c'est ce qui nous touche tous les deux, enfin en tout cas les deux auteurs, Cécile et moi-même. Et donc nous remercions tout d'abord eh bien, les membres du jury du prix Robertval pour ce choix qu'on va trouver judicieux, et aussi toute l'équipe de ce prix Robertval, hein, qui fait un travail formidable, je veux dire, pour essayer de mettre en valeur et cette littérature à la fois de jeunesse et pour le grand public, mais cette littérature qui permet à un public le plus large possible d'aimer et d'apprécier les sciences. Donc, oui, un grand merci au jury et à l'équipe du prix Robertval et aussi un grand merci à notre éditeur, donc Nathan Jeunesse, qui a cru en ce projet. Et donc, il y a un livre, c'est une grande équipe. Donc, il y a évidemment Carola Strang, la directrice, notre éditrice Marie Kojima, notre graphiste Lawrence Honoré. Et puis aussi, évidemment, c'est Laurent Simon, l'illustrateur, qui apporte toute sa poésie et son humour à nos livres, en fait, et à les rendre très, très attractifs. Je crois qu'il faut qu'on remercie aussi nos familles et nos amis, et surtout les enfants et petits-enfants qui ont participé activement pour la mise au point de ces expériences et pour que, justement, elles soient accessibles aux jeunes enfants auxquels on s'adresse. Et aux jeunes enfants et aussi aux familles, puisqu'une des idées de cette collection, c'est quand même de faire aimer les sciences aux jeunes, c'est important parce que notre jeunesse, il faut qu'on la forme aux sciences pour qu'elle s'y intéresse et qu'on forme de nouveaux scientifiques en France, voire peut-être, il y aura peut-être un prix Nobel parmi nos jeunes lecteurs, je peux l'espérer. Hein. Et d'autre part, je pense qu'un des moyens, c'est que les enfants, ils vont faire des expériences, les plus grands seuls, mais les plus petits forcément avec les parents. Et ça va être un moyen aussi de faire que les parents se rendent compte que les sciences, ça peut être sympathique, ça peut être amusant, et ce n'est pas forcément si difficile que ça à aborder. Et ça, nous avons pu le faire, d'une part parce que je suis scientifique, que j'ai pu essayer de trouver à chaque fois des explications
qui soit très exact, mais surtout, surtout grâce à Cécile qui a apporté, je dirais, toutes ses qualités, je veux dire, de rédactrice et de connaissance des jeunes enfants pour arriver à faire cette collection qui est formidable. Et je pense que ce serait bien qu'elle explique justement comment elle a réussi à nous faire travailler dans cet esprit-là. Donc oui, bon, moi je veux déjà remercier effectivement aussi ma famille qui me supporte et qui supporte qu'en fait on transforme la cuisine familiale en labo des sciences et où on laisse des choses qui doivent rester en suspens quelque temps et on a un coquillage qui se transforme en bouillie infâme dans le citron, c'est assez terrible, mais tout le monde le supporte et puis m'aide. En fait, cette collection, moi j'en ai eu l'idée en écrivant des fiches sur la chimie dans la cuisine, et en fait j'ai trouvé que c'était une très bonne idée et j'ai voulu élargir ça à aux produits du quotidien et montrer que derrière la banalité de notre quotidien se cachait tout un tas de choses à apprendre. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de tourner autour d'un produit. Donc là, ici, c'est l'œuf et le citron, mais depuis, il y en a eu beaucoup d'autres. Et en fait, l'idée, c'est d'être dans une démarche scientifique toute simple où on part du produit, on l'observe, on tourne autour, on prend contact avec lui. Et ensuite, on commence à faire des expériences toutes simples avec du matériel qu'on a à la maison, que ça se fait en une seule étape. Et on comprend très vite, on est bluffé. Nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'il y a des expériences très, très, très bluffantes. On présente ça sous forme de défi. Et il faut que ce soit vraiment très, très facile de réalisation puisque ça s'adresse aux tout petits. Et à côté de cette simplicité de l'expérimentation, on propose des explications scientifiques et simples. Donc, ce n'est pas facile parce qu'en fait, c'est très compliqué d'écrire simplement, d'expliquer simplement des choses très, très complexes et en très peu de temps et d'espace, en fait. Donc, ça, c'est un gros challenge et ça nécessite, en fait, entre Jack et moi, beaucoup d'aller-retour, comme on fait déjà beaucoup d'expériences qu'on refait pour donner l'angle le plus attrayant et le plus accessible possible. Et en fait, on n'arrête pas de faire du ping-pong entre nous. Et moi, je suis effectivement la littéraire de service, la candide. Et à force de faire tout ça, je deviens, peut-être pas une grande scientifique, mais en tout cas, j'ai plus de complexe à faire des sciences. Et j'ai même un grand plaisir à interroger les choses. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, ce qu'on veut montrer dans notre projet, c'est qu'en fait, on expérimente simplement des choses, que derrière les choses les plus simples, il faut réussir à interroger. Moi, c'est mon credo dans la vie, c'est de s'émerveiller et en fait d'être curieux. Il faut rester curieux. Cette collection, c'est là pour titiller la curiosité des enfants mais aussi des grands, et c'est aussi un moyen de décomplexer en fait par rapport à la science. On fait tous des sciences sans le savoir, en fait. C'est un peu le credo de cette collection. Et du coup, on est maintenant à, je crois, 8 titres publiés. On bosse avec Jacques sur le 9e et le 10e. Donc, il y en a eu d'autres. Il y a le ballon, donc là, vous l'avez. Il y a l'eau, il y a le sucre. Alors, le sucre, il est là. Et puis, on a le papier aussi. Et bientôt, on aura le verre. Et le verre, la pomme de terre. Et on travaille aussi sur le bonbon et le sel. Voilà. Voilà. Et je pense que ce qui est intéressant, enfin, Cécile a mis tout son talent pour justement réussir cette collection et la rendre accessible à tout le monde. Ça, c'est formidable parce que notre idée, c'est vraiment, comme elle le disait, de développer la curiosité des jeunes enfants et de tout notre public. Et ça, c'est très important. Et je crois que le succès de cette collection et puis le fait que le prix Robert Val nous soit attribué pour la jeunesse, c'est lié à ça, parce que développer la curiosité du public et des enfants pour les sciences, ben moi, je trouve que c'est formidable. En tout cas, ça a été le but de toute ma vie. Et donc, je suis content d'avoir le talent de Cécile pour mettre ça en valeur dans cette collection.
voici les cinq finalistes de la catégorie télévision du 33e prix Robert-Val. Autant de témoignages qui mettent en valeur l'inventivité de l'homme lors de grands projets. Avec Marina Boyanval et Emmanuel Sudre, pour Barrage et Canaux, les maîtres de l'eau. Chez 2P2L, Jérôme Caza, avec la participation de France Télévisions, Paris, France. Avec Vincent Barthélémy, Humane Plus, le futur de nos sens, le toucher. Chez Bonne Pioche, Ideacom International, Paris, France. Avec Dominique Forger, France Désourdie, la construction du pont Samuel de Champlain, la grande aventure, chez Radio-Canada, Montréal, Canada. Avec Philippe Touranchot, pour Versailles, les défis du Roi Soleil, chez Éclectique Productions, avec la participation de France Télévisions et de toute l'histoire, à Boulogne, France. Enfin, Quentin Domard et Charlène Gravel, pour Sauver Notre-Dame, chez Gédéon Programme, China Media Group, CCTV9, ARD-NDR, INRAP, avec la participation de France Télévisions, Paris, France. Le jury du prix Robert-Val a décidé d'accorder une mention dans la catégorie télévision à l'émission de Dominique Forget et France Désourdie de Radio-Canada. La construction du pont Samuel de Champlain, la grande aventure. Mais plus qu'une aventure, c'est une véritable épopée qui nous est contée. Construire un pont gigantesque, qui soit beau, en un délai très court, 4 ans, et dans des conditions souvent hostiles. En plus des aspects techniques, le reportage met en lumière les aspects humains tels que le courage, la pugnacité et la fierté des travailleurs qui ont dû faire face à tous ces défis. Formidable reportage qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi, ici à Montréal. Alors, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de recevoir cette mention et je la partage évidemment avec tous les artisans qui ont contribué à la réussite de ce projet-là, de ce documentaire-là. Je remercie évidemment les membres du jury, particulièrement les membres du jury et à tous ceux qui ont organisé ce prix Robert-Val. Oui, OK. Alors, évidemment, ça a été une très grande aventure. Je sais que ça a l'air cliché de dire ça, mais c'était vraiment ça. Je veux dire, un tournage qui a duré 4 ans, où on travaillait par des moins 30 degrés l'hiver, à 40 degrés l'été, dans des conditions pas toujours évidentes. Quand on a commencé ce projet-là, c'était carrément pas évident dans le sens où deux femmes qui débarquent dans un milieu très masculin, disons, le milieu de la construction. Ça a été un peu un défi au départ et ça l'est resté un peu aussi tout le long. J'oublierai jamais la première journée de tournage, en fait, après une heure et quart de tournage, il y a quelqu'un de chargé de la sécurité, de notre sécurité, qui nous accompagnait, qui nous a dit « Bon, ben là, vous en avez assez, c'est suffisant, allez-vous-en. » Alors, ce genre de scénario-là s'est reproduit à quelques reprises. C'était toujours un petit peu difficile d'avoir des accès. Alors, on était extrêmement chanceuse et contente de pouvoir tourner ce qu'on a tourné et de faire une histoire avec ça. Finalement, c'est une des grandes constructions, c'est une des belles constructions qu'on peut voir, nous, à Montréal. Vous n'avez pas la chance de la voir, mais c'est vraiment beau. Alors, merci à tous du fond du cœur. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, voilà, je retourne en confinement.
Alors, ben, évidemment, on tient à remercier chaleureusement toute l'équipe du prix Robert-Val. On est extrêmement touchés et fiers de faire partie de la grande famille, de nos collègues partout dans le monde, des journalistes et réalisateurs qui ont gagné ce prix dans le passé. Moi, ça fait des années que je vois des collègues être finalistes puis me dire à quel point l'équipe qui les accueille en France est absolument formidable, comment l'organisation est impeccable. Alors, notre seul regret, en fait, à France et à moi, c'est d'avoir gagné cette année où alors qu'on ne peut pas aller vous voir. On espère vraiment travailler sur un autre projet, gagner une autre année pour aller partager ça avec vous et vous rencontrer en personne. Évidemment, ben, je tiens à remercier chaleureusement France, ma collègue indéfectible. On a travaillé sur ce projet-là pendant 4 ans. Je pense qu'on est passé vraiment à travers toutes les émotions, mais au final, on est vraiment très fiers du reportage qu'on a pu produire, qu'on a pu réaliser. On a rencontré des gens exceptionnels, dont un ingénieur français très coloré qui a ajouté beaucoup de vie à autant à nos tournages qu'au résultat final. Avoir l'occasion de documenter la construction d'un ouvrage aussi emblématique que le pont Champlain, c'était vraiment une occasion unique, puis c'est un point marquant dans ma carrière. Alors, merci France, tu as été une collègue fabuleuse. L'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, premier réseau universitaire au monde, est très content d'être associé à ce prix, le prix Robert-Val, un prix qui valorise la culture scientifique francophone, un prix qui vulgarise la science au grand public, et ce sont des éléments qui nous intéressent énormément à l'AUF. L'AUF a pour ambition de révéler le génie de la francophonie scientifique là où il est, dans le monde, et les œuvres que nous voyons avec ce prix sont des œuvres exceptionnelles. Alors, je voudrais remercier d'abord les organisateurs de nous avoir associés, l'UTC en particulier, membre du réseau AUF, mais également à tout le jury. Un clin d'œil particulier aux deux membres du jury du réseau CRUIGIF de l'AUF. Je félicite les 26 finalistes nominés et en particulier les 5 finalistes de la catégorie télé. Alors là, je vais être un peu plus solennel pour annoncer le lauréat. Alors j'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer le lauréat de la 33e édition du prix Robert-Val dans la catégorie télévision. Et le gagnant est le documentaire « Sauver Notre-Dame » de Quentin Demar et Charlène Gravel. Félicitations à eux, bravo. Alors comme beaucoup, j'ai eu le plaisir de regarder le reportage à la télévision. Comme beaucoup, parce que c'est un reportage qui a eu un beau succès d'audience, et puis avec un passage dans une centaine de pays, une traduction dans 26 langues. Et tous ces éléments font qu'on a beaucoup d'émotions en regardant ce documentaire, pour plusieurs raisons. D'abord, la beauté de cette reconstruction. Ensuite, l'apport de la technologie à la culture, et c'est impressionnant. Et enfin, je dirais également toute la passion qui se dégage des acteurs qui sont en train de reconstruire ce monument historique. Un reportage vraiment à voir absolument. Je suis particulièrement heureux de remettre ce prix parce qu'il y a plusieurs messages, plusieurs valeurs que ce beau documentaire dégage et que nous partageons parfaitement à l'AUF, porteur de la francophonie scientifique. D'abord, la notion de solidarité. Une très belle solidarité se dégage, humaine, culturelle, je dirais même civilisationnelle. Ensuite, cette pluridisciplinarité d'experts. Et la francophonie regorge de compétences et les mettre en valeur dans un beau projet comme ça, c'est extraordinaire. Enfin, l'innovation. L'innovation ou la technologie au service de la communauté. On ne parle pas de technologie éphémère ou de technologie d'effet de mode, mais réellement une technologie qui apporte une innovation incroyable pour restaurer la culture et l'histoire. Pour toutes ces raisons, encore une fois, félicitations et bravo pour cette belle offre. Merci beaucoup.
je suis vraiment ravi, nous sommes ravis, car nous sommes deux co-réalisateurs. Charlène Gravel n'a pas pu être là aujourd'hui. Et s'unit à moi pour remercier le jury déjà, parce que c'est vraiment une belle surprise et un bel honneur que le jury du prix Robert Val nous a fait en nous choisissant comme lauréats. Je pratique la vulgarisation scientifique depuis des années et donc finalement c'est un vrai plaisir de savoir que ce film a touché aussi par sa simplicité, par cette volonté qu'on a eue d'expliquer ces métiers, d'expliquer effectivement ce qu'est un chantier du patrimoine. Un chantier très particulier, certes, mais un chantier aussi, donc, et ce qui nous a aussi donc, animé pendant tout ce film, c'était de montrer le regard des hommes, de raconter leur histoire, donc vraiment d'être avec eux dans l'intimité, d'être dans une sorte de bulle qu'on a partagée avec eux, qu'ils ont eu la gentillesse et la confiance de nous, enfin ils ont eu la gentillesse et la confiance de nous faire rentrer dans cette bulle. Et l'idée, voilà, c'était de vivre l'aventure avec eux en immersion pendant un an quasiment. Alors on n'a pas tourné tous les jours, mais on a tourné énormément avec beaucoup, beaucoup de rush. Moi, j'étais beaucoup en tournage. Charlène Gravel, donc la co-réalisatrice, était en salle de montage et on s'est partagé cette écriture commune, cette naissance de ce film, de notre film, qui s'est fait vraiment au fur et à mesure parce que ce qui allait se passer était devant nous, donc c'était très compliqué de l'anticiper. Il y avait beaucoup d'incertitudes sur ce qu'on allait filmer, sur ce qu'on allait pouvoir voir. Et donc voilà, c'est un film qui s'est vraiment fait sur un an, au fil de l'eau, une année très intense, avec Charlène. Et je tiens aussi à remercier beaucoup de monde. Déjà, évidemment, donc, au-delà du jury, que je remercie une nouvelle fois, au-delà de Charlène, que je remercie pour tout le talent, toute la sensibilité qu'elle a eue, toute la poésie qu'elle a aussi dans son écriture et dans cette façon de raconter les films. Je remercie toutes les équipes techniques et artistiques qui étaient sur place avec nous, les caméramans, les ingénieurs du son. Ils ont fait un travail exceptionnel dans des conditions très difficiles. Il y a sans doute beaucoup plus difficile, mais c'était physique, incertain. Au niveau du matériel, il fallait s'équiper, on était équipé contre le plomb, il fallait changer 2-3 fois par jour, il fallait prendre des douches. On arrivait à 6h, 6h30 sur place pour en repartir assez tard parce qu'on suivait le rythme de ces équipes. Donc déjà merci à toutes nos équipes qui ont fait un travail formidable. Merci évidemment à la production, à mes deux producteurs, Stéphane Millière qui a eu l'idée quelque part de ce film, c'est-à-dire qui a tout fait pour qu'on puisse rentrer très rapidement à l'intérieur du chantier pour filmer. Et Valérie Ménard, Baptiste, qui m'a accompagné tout le film, qui nous sert un peu de psychologue quelque part aussi, mais qui a aussi accompagné toute la partie créative et toute la partie production. Merci évidemment à toutes les équipes de post-production. C'est pareil, ils ont fait un travail juste incroyable. On a fini en plein confinement. On a dû bouger les machines. Les gens étaient à moitié confinés chez eux déjà, alors qu'on était début mars, entre début mars et fin mars l'année dernière, donc en 2020. Et ils ont plus qu'assuré, étalonné, monté, tout conformé. Enfin, donc on a eu une équipe incroyable. Il faut vraiment savoir qu'un film, ce n'est pas juste un ou deux réalisateurs. Il y a beaucoup de monde. Merci à Coralie Miller, qui nous a accompagnés aussi à la fin sur l'écriture, qui nous a apporté ce regard extérieur dont on manquait peut-être, qui nous a permis finalement aussi, voilà, sur l'écriture du commentaire, d'être beaucoup plus fluide et d'aller dans ce qu'on voulait exprimer. Nous remercions évidemment aussi les équipes de France Télévisions qui nous ont accordé leur confiance, ce qui n'était pas simple, d'autant qu'on manquait de visibilité. Donc elles nous ont vraiment fait confiance à la fois sur les images qu'on rapportait et sur l'écriture et ce qu'on en sait. Et donc Catherine Alvarez, Anne Gouraud, Jules Griveaux, Xavier Grimaud ont été vraiment formidables à nous accompagner pendant tout le film, à nous faire confiance et à nous faire aller au-delà aussi finalement aussi de nos possibilités, à nous dépasser. Pour ce film et pour ce prix en particulier, Charlène et moi remercie tout spécialement les équipes du chantier, les architectes évidemment, qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont ouvert leur esprit, Philippe Villeneuve et Rémi Fromont en particulier, mais toutes les équipes. On a eu un accueil incroyable. Moi, j'ai vécu une année absolument incroyable à leur contact. C'était intense, c'était dangereux, mais ils nous ont fait confiance, ils nous ont expliqué, ils nous ont accueillis. Et on a eu un petit peu l'impression de se sentir parmi eux, de se sentir dans cette famille, appartenir à cette famille. En tout cas, voilà, ils nous ont ouvert leurs portes et c'est leur film. C'est grâce à eux qu'on a eu ces images, c'est grâce à eux qu'on a pu raconter cette histoire et c'est grâce à eux
que Notre-Dame ne s'est pas effondrée. Donc c'est vraiment un hommage qu'on leur a fait et qu'on leur fait. Et quelque part, ce prix, c'est aussi une façon de les remercier pour leur travail. Et puis, merci aux téléspectateurs. Le film a été beaucoup vu, très apprécié sur France Télévisions, sur France 2. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup touchés de voir les commentaires des téléspectateurs, de voir toute la compréhension et l'empathie que les téléspectateurs ont pu avoir de ce chantier, des gens qui y travaillaient. Une sorte de hasard très bizarre a fait qu'on est tombé en plein confinement pendant le début du Covid. Et finalement, les gens y ont trouvé des valeurs qui les intéressaient. Autour de la résilience, autour du fait qu'il y a des gens qui sont en première ligne et qu'on ne voit pas beaucoup, mais et qui travaillent beaucoup, qui se donnent de façon tout à fait humble. Je pense qu'un réalisateur ou un auteur de documentaire, c'est vraiment un passeur de connaissances, un passeur d'émotions. Donc merci aux téléspectateurs d'avoir vu ce film et merci à tous ces acteurs du chantier de nous avoir fait partager leur quotidien. Dans la catégorie journalisme scientifique et technique, nous avons quatre finalistes. Tout d'abord, Elsa Abdoun pour OGM, de nouvelles techniques relancent le débat, Montrouge, Science et Vie, Mondadori Magazine France. La deuxième finaliste est Marine Corniaud pour Bijoux de laboratoire, l'ère des diamants faits en laboratoire, Montréal, Québec Science, Marie Lambert Chan. Le troisième finaliste est Boris Mananti pour Manger, se déplacer, travailler, se loger, notre vie en 2049, Paris, l'Obs. Enfin, le dernier finaliste est Sylvain Guilbeault pour Un trou noir sous les objectifs, Paris, la recherche. En tant qu'étudiants de l'UTC, nous sommes très heureux d'annoncer notre prix coup de cœur de la catégorie journalisme du prix Robertval. Il s'agit d'un numéro spécial de l'Obs, intitulé « Notre vie en 2049 » par Boris Mananti. Dans ce numéro, j'ai apprécié la diversité des thèmes abordés. Chaque thème était traité avec une approche scientifique, mais suffisamment vulgarisée pour que tout le monde puisse la comprendre. À la fin de la lecture, on a non seulement le sentiment d'avoir appris quelque chose, mais de l'avoir compris. Les illustrations sont pertinentes vis-à-vis du propos. On a toute une cohérence, tout le long du journal, graphique, mais aussi dans la qualité des termes. L'homogénéité dans ce numéro, du début à la fin, est une qualité que j'ai su apprécier. Le lecteur reste vraiment captivé au texte et au thème abordé. En ce qui me concerne, j'ai particulièrement apprécié le fait que ce numéro spécial fasse intervenir, au travers d'interviews, des spécialistes et des grandes personnalités qui apportent du poids et du concret aux arguments qu'ils portent. J'ai trouvé les interviews particulièrement vivantes et enrichissantes grâce aux arguments qui sont donnés et aux points de vue qui sont apportés par rapport aux technologies innovantes qui changent brutalement notre quotidien. Ce numéro spécial offre une vision de ce que sera le futur en 2049, à deux pas de la science-fiction, mais pourtant nous donne toutes les clés pour comprendre ce qu'il en sera réellement. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'imaginer ce que sera le futur. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de progrès, beaucoup de changements, beaucoup d'événements, de catastrophes. Et donc, on pourrait se dire que ce n'est pas possible d'avoir cette vision du futur. Pourtant, avec tous les éléments qui nous sont proposés dans cet article, on arrive à avoir une vision claire de ce que sera 2049. J'ai dévoré ce numéro spécial et il ne reste plus qu'à croquer à pleines dents 2049.
Bonjour à tous et merci beaucoup pour ce prix coup de cœur du coup remis par les étudiants de l'UTC pour notre magazine Notre vie en 2049 que l'Obs a sorti l'an dernier. Peut-être je peux vous raconter un peu les dessous de ce magazine. Ce magazine, il est venu conclure un premier cycle en 2019 que l'Obs a lancé, un cycle de conférences sur, on s'interrogeait un petit peu à quoi pourrait ressembler le monde dans 30 ans, d'où les 2049. Est-ce qu'on mangerait des insectes? Est-ce qu'on voyagerait en taxi volant? Est-ce que le réchauffement climatique aurait annihilé toute vie sur Terre? Est-ce qu'on ferait l'amour avec des robots, etc., etc. Donc tout ça a été étudié pendant un an lors de grandes conférences un peu partout en France. Et à la fin de ce cycle, on a voulu conclure ça avec un magazine de 150 pages, donc celui-ci, Notre vie en 2049, où on interroge un peu toute la vie quotidienne de demain sur un petit peu tous ces aspects, sur la nourriture, le transport, le travail, les loisirs, même la guerre. Vraiment, on a été un peu dans tous les domaines, dans toutes les pistes. On a étudié ça assez longuement. On a eu la chance d'avoir de nombreux experts qui nous racontaient un peu leur vision du futur. Parce qu'on sait très bien que toutes les innovations ne sont pas des progrès pour l'humanité. Mais à l'inverse, on ne veut pas croire que la seule possibilité du futur, ça soit un monde dystopique à la Black Mirror. On veut croire qu'un progrès est possible et on se donne rendez-vous du coup en 2049. Alors mesdames et messieurs, je suis vraiment très honorée de venir ici remettre le prix Robert-Val dans la catégorie journalisme scientifique au nom de l'AJSPI, qui est l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information et que je représente. Alors si je suis aussi honorée, c'est que je crois en l'importance du journalisme scientifique. Les grands défis qui nous attendent sont éminemment scientifiques. Alors je ne reviendrai pas ici sur la crise sanitaire que nous traversons, mais je pense plutôt aux crises suivantes et en particulier à la crise climatique. C'est pour cela qu'il est particulièrement important que l'information scientifique que le grand public doit pouvoir trouver dans les médias soit juste, soit éclairée et soit critique. Alors, il est important qu'elle soit juste, évidemment, il n'y a pas vraiment besoin que j'insiste là-dessus, je suppose. Mais même si sa nécessité est évidente, cette justesse de l'information ne suffit pas. Il faut également qu'elle soit éclairée par son contexte. Enfin, l'information technique et scientifique doit être critique. Car la science a tellement fait la démonstration de sa puissance que désormais tout le monde s'en réclame. Et en ces temps de pandémie et de crise au sens large, il n'est pas toujours facile pour le grand public de trier le bon grain de l'ivraie. Alors je m'arrête là parce que vous l'avez compris, produire de la bonne information scientifique est difficile et pourtant de plus en plus indispensable. En récompensant des journalistes qui font ce travail avec passion, avec exigence, le prix Robert-Val ne leur rend pas seulement justice, il fait également œuvre d'utilité publique. Aussi, je suis donc vraiment tout à fait honorée de remettre le prix Robert-Val à une brillante journaliste scientifique qui, c'est un hasard et à la fois une grande réjouissance, est également membre de la JSPI. Je parle donc ici de Marine Cornu, qui reçoit ce prix pour son très technique et très poétique papier « Bijoux de laboratoire, l'ère des diamants faits au laboratoire » pour le magazine scientifique Québec Science. Marine, tu es notre membre la plus éloignée, je crois, mais même de loin, je suis vraiment ravie de te remettre ce prix. Toutes mes félicitations. Je voudrais remercier le jury du prix Robert-Val et puis toute mon équipe au magazine Québec Science, donc Marie Lambert-Chan, ma rédactrice en chef, mes collègues Natacha Vincent et Mélissa Guillemette, qui m'aident beaucoup dans mes sujets et qui me relisent avec beaucoup de... avec un œil critique. Donc, je suis très heureuse de recevoir ce prix. Ça fait plusieurs années que j'envoie des articles au prix Robert-Val. Il y a peu de prix en journalisme scientifique, encore moins en techno et encore moins au niveau de la francophonie. Donc, je suis vraiment ravie, triplement ravie de recevoir ce prix. Évidemment, j'aurais préféré être à la cérémonie. C'est un peu décevant, je pense, pour tout le monde de faire ça par caméra. Mais voilà, merci encore. Donc, cet article portait sur les diamants de laboratoire. C'était avant la pandémie, hein, du temps où on pouvait encore visiter des laboratoires. J'ai vraiment
C'est un article qui m'a sorti un peu de ma zone de confort parce que ça parle de physique quantique, ce qui n'est pas trop mon truc à la base. Donc, je suis encore plus contente que l'article ait plu au jury. C'est ça, j'ai trouvé ça assez fascinant de parler de diamants qui poussent en laboratoire, de pouvoir me balader d'une bijouterie qui utilise des diamants synthétiques jusqu'à des labos de physique quantique. Et puis, il y avait un côté assez magique, j'ai trouvé, au fait qu'on utilise le diamant pour ses propriétés haute technologie, alors que c'est un matériau qui fascine depuis des millénaires par sa beauté, par sa pureté. Et puis là, le fait qu'on lui trouve un peu de nouvelles applications, particulièrement high-tech, j'ai trouvé ça assez, assez magique, en fait. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez l'article si vous ne l'avez pas encore lu. Puis merci, merci infiniment pour ce prix. Les quatre finalistes du prix Robert-Val Grand Public sont Xavier Contès pour Industrie 4.0 The Shapers, édité en Suisse par Gorg Éditeur. Florence Matlinger pour Une épopée française, 120 ans d'innovation ferroviaire dans le monde, édité par Langage du Sud à Casablanca. Michel Desmurger pour La fabrique du crétin digital, Les dangers des écrans pour nos enfants, aux éditions du Seuil, France, et Anatole Lécuyer pour Votre cerveau est un héros, quand les nouvelles technologies révèlent nos capacités insoupçonnées, édité par Human Science en France. Bonjour à tous. Le jury Coup de cœur des médias a décidé cette année d'accorder son prix au livre de Anatole Lécuyer, Votre cerveau est un super-héros, aux éditions Human Science. C'est un livre que nous avons trouvé bien écrit, assez jubilatoire, qui décrit le monde de la réalité virtuelle de façon très attractive et qui nous a tous donné envie de se pencher un peu plus sur cet aspect des nouvelles technologies. Bien, un grand merci au jury pour ce coup de cœur des médias, ça me va droit au cœur. J'étais très heureux lorsque j'ai appris la nouvelle, j'attendais cette nouvelle depuis assez longtemps, je me demandais quand est-ce que ça allait arriver, et puis je ne m'y attendais plus du tout lorsque j'ai été informé. Et là, je pense que j'ai retrouvé mes sensations de lycéen lorsque j'ai appris le baccalauréat, j'ai poussé un cri qui résonne encore dans ce bureau. Donc c'est vraiment un grand honneur et un grand plaisir de recevoir ce prix. Je voudrais d'abord remercier ma famille qui a été extrêmement patiente avec moi lorsque pendant les vacances, les week-ends, je tapotais sur mon clavier au lieu d'aller me promener, d'aller me balader dehors. Et puis je voudrais aussi partager ce prix et remercier les collègues, les étudiants avec qui j'ai travaillé sur ces expériences scientifiques étonnantes qui ont partagé mes aventures scientifiques et avec qui on a pris beaucoup de plaisir à découvrir ces super pouvoirs et ces super technologies. Et puis enfin, je voudrais vraiment partager ce prix avec toute l'équipe de mon éditeur, Human Science. Ça a été un travail d'équipe du début jusqu'à la fin. Je voudrais partager ce prix avec eux. Je pense notamment à Johanna Blin, à Amandine Dumas, à Eva Cara et bien sûr à Olivia Récassens, mon éditrice, qui m'a repéré il y a 2-3 ans au détour d'une conférence et qui m'a lancé ce défi. Je ne m'y attendais pas du tout, je ne pensais pas écrire un livre un jour. Et puis aujourd'hui, je ne regrette rien bien sûr, et je suis ravi d'avoir fait, et je suis même mordu à la littérature, à l'écriture, grâce à ça. Donc encore une fois, merci à tout le monde, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures de super-héros technologiques.
La délégation générale à la langue française et aux langues de France au ministère de la Culture a pour mission de promouvoir la langue française, de veiller à son emploi, de contribuer à son enrichissement. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être associés à l'Université de technologie de Compiègne pour le prix Robert Val. Nous en sommes le partenaire historique et c'est une grande fierté pour nous. Le français dans les sciences, c'est en effet un enjeu très important. Je suis convaincu que l'intelligence artificielle, l'innovation, seront des leviers essentiels pour le promouvoir, pour promouvoir notre langue en France et à l'international, comme pour promouvoir toutes les autres langues. Je vais dans quelques instants remettre le prix grand public et c'est une grande joie pour moi. Pour cette 33e édition du prix Robert Val, je suis heureux d'attribuer le prix grand public à Anatole Lécuyer, auteur de « Votre cerveau est un super-héros ». Cet ouvrage apporte un éclairage passionnant sur les usages de la réalité virtuelle, du jeu vidéo au développement d'outils en sciences cognitives. Quelle surprise pour moi de recevoir également le prix grand public Robert Val 2020. Une surprise incroyable, parce que tellement incroyable que je ne l'ai pas cru. J'ai renvoyé un mail aux organisateurs pour dire qu'il y avait dû y avoir une erreur, ou demander si je devais rendre l'autre prix, ou si en fait peut-être tout ça n'était qu'une vaste erreur administrative et de messagerie. Mais non, effectivement, j'ai reçu les deux prix et j'en suis doublement honoré et doublement heureux aujourd'hui. Et pour moi, cela illustre bien le fait que mon livre et le prix Robert Val sont vraiment rentrés en résonance sur cette notion d'expliquer les technologies et de célébrer les technologies, puisque l'objectif de mon ouvrage était vraiment d'expliquer, de montrer ce qui se cache derrière les nouvelles technologies appelées réalité virtuelle, interface neuronale, qui progressivement arrivent dans notre quotidien, mais qui sont accompagnées de beaucoup de fantasmes, de peurs, d'appréhensions, et qui pourtant sont amenées à changer progressivement nos vies. Alors j'avais envie de montrer à quoi elles servent, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qui se cache derrière ces technologies, qu'est-ce qu'elles vont changer dans nos vies. Et puis en même temps, j'avais aussi envie de montrer qu'est-ce qu'elles peuvent dévoiler de nos capacités humaines, qu'est-ce qu'elles nous permettent d'apprendre sur nous-mêmes, et de nous faire découvrir certains angles morts de notre perception et certains super-pouvoirs un peu cachés de notre perception. Donc des super-pouvoirs comme par exemple retrouver le contrôle ou développer le contrôle de son activité cérébrale, de certaines ondes cérébrales, ce qui permet parfois de développer ou de retrouver certaines capacités cognitives ou de soigner certaines pathologies. Et puis avec ce livre, je voulais aussi pouvoir éventuellement donner envie à des jeunes qui se demandent un petit peu ce qu'ils vont bien faire dans leur vie, un petit peu comme ce fut le cas pour moi avant de me lancer dans cette carrière scientifique, de considérer une carrière dans le domaine des technologies et de l'informatique. Et pour ça, j'ai voulu vraiment faire vivre cette aventure à la première personne en rentrant dans mon quotidien de chercheur, en découvrant un petit peu l'arrière-boutique d'un laboratoire d'informatique, de la vie d'un chercheur, et tout le côté parfois assez amusant, assez inattendu qu'on peut trouver dans un contexte et dans une vie de chercheur. Pour finir, je remercie également mon institut de recherche INRIA qui me permet de développer toute cette activité scientifique sur la réalité virtuelle, sur les interfaces neuronales, ici dans des conditions formidables. Et puis je vous invite, si vous ne l'avez pas fait du coup, à lire ce livre, à découvrir enfin et pourquoi votre cerveau est un super-héros.
Qu'est-ce que c'est qu'un bon livre d'enseignement supérieur en 2021? Dans les finalistes, on a choisi plusieurs, ce qu'on appelle des gros pavés. 600 pages, 1000 pages. Est-ce que ça a un sens de publier toujours des livres de 600 pages et de 1000 pages à l'époque d'Internet? Eh bien, oui. Et c'est même ça qui particulièrement fait sens. Une des raisons pour lesquelles ces livres sont aussi importants, c'est parce que pour traiter d'un sujet qui peut être dans ces livres assez spécialisé, eh bien, ils repartent des bases. C'est un livre qu'on peut lire depuis le début, sans être un spécialiste du sujet, simplement avec un bon esprit scientifique. Et ça correspond à ce qui se passait avant, quand par exemple mon professeur de physique commençait son cours, il commençait toujours par plusieurs séances dans lesquelles il réexpliquait à sa façon les mathématiques pour que ça soit adapté au cours qu'il allait faire en physique ensuite. Et c'est ce que font ces ouvrages-là. Et donc ce sont des ouvrages qui sont très intéressants et qui sont très intéressants même si on connaît bien les notions de base que ces livres exposent. Parce qu'on dit toujours que pour connaître un domaine, eh ben, il faut l'avoir appris au moins 3 fois. Et qu'une de ces fois, ça soit d'apprendre les bases à propos d'un sujet particulier qui vous intéresse énormément, eh bien, c'est extrêmement efficace et c'est ce que font plusieurs des ouvrages qui sont parmi ces finalistes. Écrit par Patrick Poltre, le livre « Dynamique des structures, application aux ouvrages de génie civil » a été édité au Canada, à Montréal, aux presses internationales Polytechnique. Écrit par Ulysse Delabre, le livre « Smartphonique, expérience de physique avec un smartphone » a été édité en France, chez Dunod. Écrit par Robert Solaire, le livre « L'énergie solaire, des fondamentaux aux technologies d'aujourd'hui et de demain » a été édité en France aux éditions Lavoisier. Coordonné par Stéphanie Baumberger, le livre « Chimie verte et industrie agroalimentaire vers une bioéconomie durable » a été édité en France aux éditions Lavoisier. Coordonné par Philippe Cassagno et Véronique Bounor-Légaré, le livre « Extrusion réactive, des aspects fondamentaux au développement industriel » a été édité en France aux éditions Hermès Lavoisier. Le jury du prix Robertval a décidé d'attribuer une mention spéciale pour son originalité et sa pertinence à Ulysse Delabre pour son livre « Smartphonique, expérience de physique avec un smartphone » édité en France chez Dunod. C'est le cadeau idéal pour un étudiant confiné. Comment travailler sa physique en gardant son smartphone à la main? Les manuels traditionnels prennent un sacré coup de vieux, mais le lecteur découvrira que les pouvoirs de son smartphone ne s'arrêtent pas au « T'es où ?» sur SMS ou par un alignement d'émoticônes sur Instagram. Et puis, c'est l'occasion de partir avec Ulysse pour faire un beau voyage. Félicitations à Ulysse Delabre et félicitations à son éditeur Dunod. Je tiens à remercier le jury pour m'avoir attribué cette mention dans la catégorie enseignement supérieur du prix Robertval. Je suis vraiment très content que l'ouvrage smartphonique soit primé dans cette catégorie. Donc pour donner un exemple, cet ouvrage parle du smartphone. Donc le smartphone, c'est un objet qu'on a tous dans notre poche, qu'on utilise pour communiquer, envoyer des SMS ou des photos. Et cet ouvrage montre comment on peut détourner son smartphone pour faire de véritables
expérience scientifique. Donc un smartphone, c'est constitué de plein de capteurs, donc des accéléromètres, notamment pour faire pivoter l'écran, des magnétomètres pour se repérer dans l'espace, des capteurs de lumière également, des capteurs sonores. Et à travers ce livre, vous allez découvrir comment on peut détourner ces capteurs grâce à des applications qui sont gratuites pour faire des véritables expériences scientifiques chez vous ou n'importe où. Alors, pour donner un ou deux exemples, grâce à l'accéléromètre, vous allez par exemple pouvoir mesurer la masse de la Terre en faisant chuter votre smartphone. Grâce au capteur de lumière, vous allez pouvoir transformer votre smartphone en véritable microscope et ainsi observer des cellules. Et puis, on peut ainsi revisiter les plus belles expériences de l'histoire des sciences, comme celle de Lavoisier, par exemple, qu'on peut voir derrière. Et on peut ainsi expérimenter n'importe où, n'importe quand. Donc, c'est une manière de montrer aux lycéens, aussi aux étudiants des universités, qu'on peut faire des expériences scientifiques de très bonne qualité, n'importe où, pas uniquement dans les salles de travaux pratiques classiques. Et c'est un enjeu aussi pour les pays en voie de développement, où il n'y a pas forcément le matériel nécessaire pour faire des expériences sur tous les domaines. Donc je suis vraiment très heureux que ce livre soit primé dans cette catégorie. Je tiens à remercier bien sûr mon éditrice, Laetitia Hérin chez Duno. Je tiens également à remercier l'ensemble de mes collègues à l'Université de Bordeaux et au laboratoire Ondes et Matières d'Aquitaine qui m'ont aidé pour les nombreuses expériences. Et puis je tiens à remercier surtout ma famille proche et mes amis pour m'avoir accompagné dans la rédaction de cet ouvrage. Et je leur dédicace bien sûr ce prix. Merci encore et bonne expérience avec votre smartphone. Le jury a décidé d'accorder une mention spéciale à l'ouvrage de Patrick Poultre sur la dynamique des structures appliquées au génie parasismique, c'est-à-dire à la résistance des ouvrages aux tremblements de terre, sujet important s'il en est. L'auteur procède patiemment depuis les modèles les plus simples jusqu'aux méthodes numériques à trois dimensions les plus sophistiquées, en comparant toujours les résultats des calculs au modèle. Le lecteur devrait en tirer une version réaliste de ce qu'il est possible de prévoir par le calcul, ce qui est évidemment essentiel dans un domaine qui traite de l'évaluation et du contrôle du risque. Félicitations à Patrick Poultre et aux Presses internationales polytechniques pour un magnifique ouvrage. Je remercie le prix Robertval, organisé par l'Université de technologie de Compiègne, et les membres du jury du 33e concours du prix Robertval pour l'honneur qu'il me fait en attribuant au livre Dynamique des structures la mention spéciale du jury. Je l'accepte au nom de tous mes étudiants, autant québécois que français, qui l'utilisent dans leurs cours à l'université, mais aussi après, dans leur vie professionnelle. Comme je me questionnais dans l'avant-propos du livre, pourquoi un livre en français alors que la majorité des textes scientifiques sont maintenant publiés en anglais? La réponse découle de cette constatation parce qu'il est de toute première importance d'établir et de renforcer une technologie scientifique en français, une terminologie scientifique en français, particulièrement au Québec, vous le comprendrez. Depuis, le livre a été traduit et publié en anglais. La traduction en espagnol devrait être publiée en 2022. Je dois remercier Jackie Mazard, qui, alors qu'il était directeur adjoint de l'École normale supérieure de Cachan, m'a demandé de donner le cours de dynamique des structures aux étudiants de DEA Maize, et Laurent Daudeville de l'Université de Grenoble-Alpes, anciennement Joseph Fourier, qui m'a demandé de le faire aux étudiants de l'école doctorale, les deux fois durant des congés sabbatiques que m'avait accordé l'Université de Sherbrooke. Jackie Mazard, en tant qu'éditeur de la collection Génie civil chez Hermès Lavoisier, m'a demandé de publier la première édition du livre, qui a connu un certain succès de librairie pour un livre scientifique. La deuxième édition, très augmentée du livre, est parue aux Presses polytechniques de Montréal. Je remercie ici son actuel directeur, M. Simon Francoeur, tout comme son ancienne directrice, Mme Virginie Vendange, qui m'ont encouragé à publier chez eux.
Ce livre traite de la dynamique des structures et de son implication en génie parasismique. Je suis d'origine haïtienne. Vous comprendrez donc mes sentiments après le tremblement de terre de Port-au-Prince et mon engagement à l'enseignement de cette spécialité durant plusieurs années à la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, université publique où ce livre a été distribué gratuitement aux étudiants en ingénierie grâce à des subventions du gouvernement canadien et de l'aide de l'Université de Yale. Encore une fois, je remercie le prix Oberval et le jury de l'honneur qu'on me fait. Merci. Bonjour à tous. J'ai l'honneur de représenter Sorbonne Université lors de cette cérémonie de remise du prix Roberval. Je viens réaffirmer notre soutien à cette très belle initiative de l'UTC, notre partenaire de longue date avec lequel nous collaborons de plus en plus étroitement au sein de l'Alliance Sorbonne Université. Je suis heureuse aujourd'hui de remettre le prix de la catégorie enseignement supérieur. Les lauréats sont Véronique Bounor-Legaré, directrice de recherche au CNRS à l'UMR 5223, ingénierie de matériaux polymères, et Philippe Cassagno, professeur à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Ils sont co-auteurs du livre « Extrusion réactive, des aspects fondamentaux au développement industriel ». Je leur adresse, au nom de l'université, mes bien sincères félicitations. Bonjour à tous, c'est avec un grand honneur que mon collègue et coordinateur Philippe Cassagno et moi-même, Véronique Bounor-Legaré, recevons le 33e prix Roberval édition 2020 dans la catégorie enseignement supérieur pour notre ouvrage paru aux éditions Lavoisier-Hermès et intitulé « Extrusion réactive, des aspects fondamentaux aux applications industrielles ». Nous sommes d'autant plus touchés que cet ouvrage en français s'adresse à un large public, aussi bien des étudiants en sens des matériaux qu'à des industriels curieux de connaître les développements dans cette thématique de l'extrusion réactive. Il est vrai qu'à l'origine, avec cette vis sans fin, nous avons aujourd'hui démontré un large panel d'applications, aussi bien sur la synthèse de matériaux polymères, mais de plus en plus, par rapport aux préoccupations environnementales, la technologie de l'extrusion réactive permet de répondre en termes d'outils et d'initiatives académiques de recherche en association avec des partenaires industriels sur des aspects de recyclage, de valorisation des matériaux biosourcés, le tout avec une quête de développement de matériaux polymères à propriétés spécifiques. Bien sûr, cet ouvrage n'aurait jamais vu le jour sans l'aide et le soutien de notre collègue du CMF Bruno Vergne, directeur de la collection Sciences et Ingénierie des matériaux. Nous le remercions infiniment pour sa sollicitation et son aide à la mise en musique de cet ouvrage. Nous remercions bien sûr infiniment l'ensemble des co-auteurs qui permet aujourd'hui d'offrir cet ouvrage si complet. Nous ne nommerons pas l'ensemble de leurs noms, mais nous les remercions tous individuellement. Nous remercions aussi spécifiquement Philippe Dubois, professeur à l'Université de Mons en Belgique, qui a accepté chaleureusement de préfacer cet ouvrage. Bien sûr, nous remercions l'ensemble des membres du jury du prix Roberval, et plus spécifiquement M. Karim El Kirat, délégué général du prix Roberval, qui nous ont permis de mettre à l'honneur cet ouvrage. Nous terminerons nos remerciements en soulignant deux personnalités qui ont largement participé à la promotion de l'extrusion réactive et de son rayonnement. Tout d'abord, le professeur Morand Lamblat, professeur à l'Université de Strasbourg, qui, hélas, nous a quittés prématurément il y a quelques années. Nous remercions aussi du fond du cœur Alain Michel, directeur de recherche au CNRS, à présent retraité, qui a réalisé une partie de sa carrière dans notre laboratoire et qui a su nous insuffler et nous transmettre sa passion de l'extrusion réactive. Nous savons qu'il a été très touché par la naissance de cet ouvrage et nous souhaitons l'associer à nouveau à nos remerciements, ainsi qu'à vous tous. Nous espérons que cet ouvrage aura un spectre le plus large possible de lecteurs et nous vous remercions à nouveau pour ce prix. Au revoir.
aventure technologique, économie régionale centrée sur la technologie, techno-optimisme, techno-pessimisme. Les finalistes de cette année couvraient une large palette des questions et des débats qui tournent aujourd'hui autour de la technologie. Le débat du jury a été vivant.